C'est amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui continue l'Indian Springfield de Johnny Hallyday avec aujourd'hui 4 numéros, donc le 48 qu'on avait raté, le 54, le 55 et le 56. On pense à s'abonner à la chaîne, à rejoindre le groupe Facebook de construction et on est parti pour ce montage. Numéro 48, 54, 55 et 56. Jack Daniels Indian Springfield 2016 en édition limitée. Johnny Hallyday et la Harley Davidson V-Rod Muscle. À moto sur la route 138. Le klaxon, donc notre pas à pas. Donc là, on va s'amuser un peu à venir brancher les durites, hein, mais bon, ça va se faire. Et notre résultat final. Note 54 Indian Stout Rod 2022. Johnny Hallyday et la Cobra Super Performance MK3. Donc, bon, c'est pas tout à fait le même modèle, mais elle ressemble beaucoup à la Cobra que je vous ai présentée sur la chaîne. À moto sur les routes du Tade. La pédale de changement de vitesse. Le résultat final. Le 55 Indian Super Chief Limited de Joe Catamine. Le Ford GT 2006 et Johnny Hallyday. À moto sur la route du Far West. La tôle du plancher avant droite. Notre pas à pas. Notre résultat. Indian Bonneville Speed Week, Johnny Hallyday et la Harley Davidson Heritage Springer Softail, à moto sur route des Alpes, le réservoir émet cylindre du frein arrière, le pas à pas et le résultat final. Alors désolé, j'ai eu un petit bug de caméra, donc une fois qu'on a assemblé tout ce qui est klaxon, tout ça, on vient mettre notre pièce au fond, juste ici. Et on la tient avec 4 vis AP. On branche ensuite les câbles aux emplacements prévus. Alors du coup, ça va être un peu plus dur. Une fois nos câbles connectés, on revient. Donc on vient mettre notre pièce E juste ici et on la tient à 3 vis AP grise. Et voilà pour ce numéro 48. Alors, note 54, on commence par prendre notre pièce B avec là. On vient mettre là, dans ce sens-là. Le B vient au bout ici. Et on y met une vis AP, pas de côté.
On prend ensuite une vis cupée pour pouvoir venir fixer notre pièce D. Donc la partie la plus longue qui est ici, on vient la fixer juste ici. Avec une autre vis OP, on vient mettre notre pièce E à l'autre bout. Voilà. On retourne ensuite, on vient par ici et on va mettre notre ressort en place. Donc on met le ressort avec la patte par-dessus, on va essayer cette fois voir si ça va mieux. Et je pense que là ça sera mieux. Je n'explique pas dans quel sens le mettre. Et d'après le dessin, on voyait la patte droite sans le crochet. Voilà, donc ça tente d'appui, elle revient. On vient ensuite de ce côté-là. Alors, elle, on va tenir juste en dessous. Ici avec une vis AP. Et ensuite, on va tenir le support du plancher avec deux vis DM. Juste ici. Et voilà pour ce numéro 54. Notre numéro 55, on vient déjà mettre la pièce A sur la B. On retourne, on met 3 vis AP pour tenir l'ensemble. On vient ensuite mettre notre pièce C par-dessus ici. Avec deux vis AP. Et enfin, on vient mettre deux vis AP grise. Alors, quand on est comme ça, on vient mettre notre pièce D juste ici et on y met deux AP noirs. Et voilà pour ce numéro 55. Alors notre numéro 56. On commence par prendre notre pièce H, donc celle-ci. On vient mettre notre ressort G au bout. On met ensuite le cache poussière du mètre cylindre en mettant la partie la plus large comme ça avec l'orette vers l'extérieur. Par-dessus, on l'enfonce à fond que ça dépasse. On vient du côté où c'est plat. Donc il y a un côté plat là. On vient mettre notre pièce F par-dessus. Et on vient dans le creux mettre une vis AP.
peut ensuite remonter le tache poussière. On vient sur notre numéro 55. On le met en place au fond ici. De l'autre côté, on met notre pièce E. Une vis à paix. Enfin, notre logo Indian, la pièce B, vient par-dessus pour cacher l'ensemble. Au-dessus, par ici, on met notre pièce A, en mettant le trou vers la droite. Une vis à paix dedans. Justement, dans le petit trou, là, sur le côté, on vient y mettre notre pièce D. Et enfin, on vient mettre notre pièce C avec Indian écrit vers nous, juste ici. Et voilà pour ce numéro 56. Et donc voilà, ça y est, donc notre plancher roi est fait. Il est installé côté gauche déjà. On se retrouve très bientôt pour continuer la suite de cette Indian. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!